Événement aujourd'hui. L'entreprise The Wall aurait annoncé qu'elle serait parvenue à concevoir un logiciel capable de passer le test de Turing. Alors, en quoi consiste ce test? Eh bien, tout simplement à mettre en confrontation verbale un ordinateur avec un humain. Si l'homme qui engage la conversation n'est pas capable de dire si son interlocuteur est un ordinateur ou un humain, on peut considérer que le logiciel a passé avec succès le test. L'entreprise The Wall fait donc un appel aux volontaires qui voudraient passer le test pour prouver le talent de leur logiciel en échange d'une certaine somme d'argent. Alors pourquoi se priver? Ça va être plus simple comme ça, non? Ok. Vas-y. Ah. Non, je t'en prie. Non, bah, bah vas-y d'abord. Là, je saurais pas quoi te dire là. Ça comment? De quoi? L'expérience là, tout ça. Bah c'est marrant. Enfin. On fait des rencontres. Et tu fais quoi dans la vie? Là? Bah là, je discute. Non, sérieusement? Enfin, en ce moment, pas grand-chose. Bah comme moi, en fait, c'est pour ça que je suis là. Et pour la prime aussi, peut-être. Et pour la prime, oui. Je peux te poser une question. C'est indiscret, sûrement, mais... Non, vas-y. T'as quelqu'un dans ta vie? Et toi? Tu fais quoi ce soir?
Ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que tu fais toi. Mais qu'est-ce qui me prouve que t'es humain? Pardon, je comprends pas. Bah ouais, en fait, ça pourrait être une animation très bien faite qui serait censée juste me faire croire oui. que... Ah oui, non, mais oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, mais c'est un peu pareil pour toi aussi, donc... Ouais. Ouais, donc on en est au même point. Oui, désolé. Et si... Oui. Est-ce que tu te souviens du numéro de la salle quand t'es entré dedans? C'était la salle 47. Bon, super. Moi, c'est la salle 42, donc en fait, il suffit juste qu'on se rejoigne. Ouais, ok. Ouais, c'est pas bête. Mm-hmm.